nous choquer quand nous finissons court discours premier ministre aujourd'hui qui finit faire un discours à l'occasion journée contre la pauvreté pour dire que ce gouvernement sa priorité c'est combattre la pauvreté. Comment il a fait un discours comme ça sans qu'il y fasse une référence qui est là six madame Grévis, six cleaners qui sont dans pas l'extrême pauvreté mais l'extrême pauvreté parce que d'après la Banque mondiale l'extrême pauvreté définie par 3 dollars par jour qui fait 3000 roupies par mois ben n'a rien 1500 roupies. Mon pensée capable soit assez de presse il oublier mettre ça de ce discours premier ministre d'un prend sanction contre ça assez de presse et mon copédiali le premier ministre bien saisir l'occasion pour lui aider les peuples tourne sa page sombre de l'histoire qui fin créée par le régime travailliste avec PMSD. C'est la madame hier soir qui t'y présente un certain nombre de tensions faux. Finalement, nous médecins qui nous sont et grand matin, il paraît je ne bois des comprimés qui l'hôpital donné, l'osotan, et de tension une vie stable. Jusqu'à aujourd'hui encore, la municipalité n'a pas de nous accès à la toilette publique. Et ça est important. Parce qu'hier, le maire, seulement personnellement, il m'a réagi, débrouillé, aujourd'hui, ça veut dire hier, et soit-disant aujourd'hui, tu peux venir, tu peux régler le problème là, il n'est pas fini de régler, et ça, c'est inacceptable. Officiellement, pas fini dans aucune ligne de communication qui finit ouvert, mais fini dans plusieurs attachés de presse qui nous téléphonent, nous, ben attachés de presse du gouvernement. Qui nous demande des détails. Et surtout, l'autre détail, quelle solution nous peut envisager. Et pour nous, les catégoriques, c'est qu'il n'a pas capable de trouver aucune solution tant que le ministre de l'Éducation pour persister, qui va être employé par sous-contracteur. Un sous-contracteur, il bid faux contrat. Donc, quand ce contrat est terminé, tout le monde peut être haut. Si nous rentrons dans la logique employée par ce contracteur, il veut dire qu'il nous peut repousser le licenciement de sa 333 cleaner là dans un an ou dans deux ans. Donc, pour nous, il y a une seule solution, c'est que pareil comme on prend un toilette cleaner, quand on embauche le ministère de l'éducation, on prend un autre cleaner aussi pareil. Dès qu'il chose facilite ça, depuis septembre 2016, tout le monde sous-contracté, tout le contrat terminé. Là, je paye un contrat month to month. Ce qui veut dire, ça que la fin du mois, le sous-contracté, out, n'est pas un contrat pour eux. Deuxième chose, pas nécessairement qu'il ait fait tout ce monde-là, vienne fonctionner. Capable d'adopter une formule pour un Mauritius ministère des Sports et l'incré Mauritius Sports Council. C'est un corps paraétatique qui regroupe tout. Dimoun qui entretenait un complexe sportif. Le ministère de l'Éducation est capable de faire pareil. Donc, si il y a une solution, bien capable de calquer ce qui nous déjà fait, ce qui nous déjà créé. Mais si persister, pense dans la direction sous-contractée, paye la solution. Bon, je ne peux pas dire où avec solidarité qui vient de développer depuis ce matin, sa quantité Dimoun qui vient de rendre le tout visite ici. Nous ne sommes pas capables de dire qu'une morale est haute. Ça veut dire que nous décidons pour rendre une action et que nous parlons jusqu'au bout de nos actions. Nous comptons aussi pour qu'ils connaissent qu'il y a une madame qui te promet qu'il est pour rendre la grève aujourd'hui. C'est madame Sangita Depi. Il te dit qu'il te donne ce nom pour qu'il occupe la cour d'école pendant l'examen 5e. Il finit faire hier aujourd'hui. Donc, dès que l'examen finit, il rentre dans la grève aujourd'hui. Donc, nous l'équipe est renforcée encore. Nous sommes bien contents. Camarade Jacques Bizlal, il me dit au ministre en matin de nous tout ce soutien et il lance un comité soutien. Donc, à partir de demain même, pour une réunion, une conférence de presse, etc. Il y a aussi un syndicat service civil qui vient de venir. Et il paraît qu'ils ont fait une conférence de presse déjà demain, en solidarité à tout ça, man grévista. Il y a une résistance alternative qui vient de venir. Il y a Salim Mouti. Il y a beaucoup d'individus. Et continuer à nous visiter et à armer et tout ça. Donc nous bien entourés et nous avons dit que le peuple de Maurice avec nous parce qu'ils ont tout
renonce à combat là, c'est un combat juste. Nous pas content qu'il nous là, beaucoup ça madame là, je dis là pour faire des valises, je dis. Et je peux attendre qu'il ait une solution à ce problème là parce que c'est pas juste ce qui peut arriver. Il n'est pas chic aussi pour dormir dans une attente ou là. Et ben madame là peut réclamer juste la justice. Et 1500 roupies, nous pas capable de vivre quand nous connaît qu'il y a une panier ration pour un dimanche très très pauvre, il coûte 9000 roupies. Donc nous disons réagir une fois pour toutes.